Oui, bonjour, Daniel Graham, herboriste naturopathe de la boutique santé. Donc, je suis ici dans les bois de Serein et je découvre à l'intérieur du bois sapin, vous allez le voir, qui est assez gigantesque, qu'on appelle le Pin des Landes. Le Pin des Landes. Et il y a déjà une trentaine ou quarantaine d'années, le professeur Masqueyer, un chercheur, avait découvert dans le sapin des Landes un principe actif qui s'appelait les OPC, donc des antioxydants super puissants, et qui étaient très bénéfiques au niveau cardiovasculaire. Donc c'était dans l'écorce qu'on prend ça, hein, et on avait vu une action sur les capillaires, les vaisseaux, donc hyper bénéfique. Et puis on s'est aperçu aussi que c'était très bon, par exemple pour les enfants hyperactifs, les allergies. Donc ça contient les antioxydants que ce sapin-là contient et super bénéfique. Si vous regardez sur pycnogénol sur Internet, vous verrez, il y a un tas de recherches qui ont été faites et qui prouvent des actions vraiment énormes sur notre santé. Donc voilà, c'est à retenir pycnogénol. Si on a par exemple des problèmes de vaisseaux, des problèmes de varices, etc., de mauvaise circulation, mais pas que ça. Antioxydants, ça veut dire que ça protège nos cellules des dégâts de l'oxydation. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut retenir, le pycnogénol. Voilà, des belles découvertes dans la nature. La nature recèle des trésors inestimables. Mais il faut les connaître, il faut les découvrir. Voilà, il ne faut pas hésiter à demander conseil à votre naturopathe, votre herboriste. Voilà, excellente journée à vous, à bientôt.